l'ancienne cité de Taposiris Magna est nichée quelque part le long de la côte nord de l'Égypte. De nos jours, elle a conservé très peu de sa gloire d'antan. Mais ce qui se trouve en dessous pourrait bien détenir la clé d'un célèbre mystère. Celui de Cléopâtre, l'une des reines d'Égypte les plus mémorables de l'histoire. Le tunnel récemment découvert est également connu comme un prodige de géométrie pour son époque. Des fouilles ont mis à jour une structure de 13 mètres de long enfouie dans le sol et partiellement immergée. Sa forme et ses techniques de construction sont semblables à celles du tunnel de Palinos. Une autre incroyable découverte de l'Antiquité. Ce dernier se trouve sur l'île de Samos, en Grèce, et a été réalisé en creusant simultanément à partir de deux points, dans le but de les faire se rencontrer au milieu. L'utilisation des mathématiques et de la géométrie pour réaliser cet ouvrage était d'une précision stupéfiante pour l'époque, d'autant plus qu'il traverse une montagne de part en part. Les archéologues qui travaillent sur le site de Taposiris Magna depuis 2004 pensent que ce tunnel pourrait mener au tombeau perdu de Cléopâtre. Les indices qu'ils ont découverts jusqu'à présent semblent étayer cette théorie. Pour commencer, la ville et son temple ont été construits par l'un des ancêtres de Cléopâtre, Ptolémée II. Toute son architecture semble indiquer que la cité était dédiée à l'ancien dieu Osiris et à sa reine, Isis. Tout au long de son règne, Cléopâtre a cherché à s'associer à la déesse. Il ne serait donc guère surprenant qu'elle ait choisi cet endroit comme lieu de dernier repos. Les archéologues n'ont pas encore réussi à localiser le tombeau de Cléopâtre, mais les recherches se poursuivent avec l'aide de la technologie moderne. Pour mieux étudier cet emplacement, les chercheurs ont même eu recours à un dispositif spécial, appelé radar à pénétration du sol. Cet outil nous permet d'analyser ce qui se trouve sous la terre, sans avoir besoin de l'excaver. Comme ce tunnel est très ancien, les recherches doivent être menées avec la plus grande délicatesse. Voir des images de ce qui se trouve sous terre avant de commencer à creuser est incroyablement utile, et c'est ce que l'on fait ici depuis 2011. La découverte finale de la tombe de Cléopâtre pourrait nous aider à reconstituer son histoire. Surtout ce qui aurait pu se passer lors de la dernière partie de son règne, qui est encore entourée de mystères. Nous ne connaissons toujours pas la cause exacte de son décès. Certains pensent qu'elle aurait pu se laisser délibérément mordre par un cobra égyptien venimeux. D'autres ont suggéré qu'elle était tout à fait accoutumée au poison, en dissimulant même dans sa brosse à cheveux, au cas où le besoin s'en ferait sentir. Mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'elle ait choisi de l'utiliser sur elle-même. Nous avons beaucoup d'autres informations intéressantes sur Cléopâtre, qui sont tout aussi dignes d'intérêt, comme le fait qu'elle vêtue sa propre styliste. La plupart des images que vous avez vues représentant la célèbre reine montrent que ses yeux étaient cernés de kohl noir. Ce look aurait été créé par Iras, une servante connue pour avoir été sa cosméticienne attitrée. Elle traçait une longue ligne de ses yeux jusqu'à ses tempes, une technique de maquillage encore utilisée aujourd'hui pour mettre les yeux en valeur. Iras aurait été une figure importante tout au long de sa vie, officiant également comme sa confidente et sa plus proche amie. Il existe même quelques théories qui suggèrent qu'Iras se tenait à ses côtés lorsqu'elle a mis fin à ses jours. Malgré ses tenues recherchées, Cléopâtre n'était pas aussi belle qu'on le décrit. Ou du moins, c'est ce que pointent des recherches récentes. Certes, si l'on regarde les films et l'iconographie moderne, elle est représentée comme une femme d'une extrême beauté, aux traits symétriques et délicats. Toutefois, si l'on examine les pièces de monnaie représentant son profil de l'époque, son apparence laisse beaucoup à désirer. Son image sur les pièces de monnaie a peut-être également été exagérée, pour donner à la reine une apparence plus reconnaissable aux yeux de son peuple. Ainsi, il n'existe aucune source véritablement fiable pour confirmer son aspect. Mais sa description dans la plupart des textes de l'Antiquité évoque ses autres qualités, comme son éloquence et sa personnalité, plutôt que sa beauté. Cléopâtre est peut-être la reine égyptienne la plus célèbre à ce jour, mais elle n'était pas non plus le premier choix. Elle avait une sœur aînée, Bérénice, qui n'aura que très brièvement occupé le trône. Cette dernière ayant été renversée après 3 ans de règne, Cléopâtre s'est donc habituée à endosser le rôle et a commencé à se consacrer à sa propre éducation. Elle voyageait fréquemment à travers le pays pour se familiariser avec son peuple et avec leurs besoins. Elle n'avait que 18 ans lorsque les rênes du pouvoir lui ont été transmises, et elle a immédiatement gagné en popularité en raison de sa grande intelligence et de son instruction. Son goût pour la littérature était également renommé. On savait qu'elle était friande des œuvres d'Homère, le célèbre poète grec. Cléopâtre aimait d'ailleurs autant écrire qu'elle aimait lire.
Il existe même des suppositions selon lesquelles elle aurait écrit un livre sur la médecine et les cosmétiques, mais nous n'avons aucune preuve à ce jour que ce travail ait jamais existé. Être une grande souveraine à cette époque signifiait qu'il était indispensable de parler plusieurs langues. Cléopâtre l'avait clairement compris. Et c'est pourquoi il se murmure qu'elle en connaissait de nombreuses, à des degrés divers. Certains archéologues ont suggéré qu'elle maîtrisait le grec, l'égyptien et l'éthiopien, ainsi que de nombreux dialectes arabes. Elle aurait également pu parler latin, mais il y a peu de preuves pour soutenir cette hypothèse. Elle n'avait peut-être pas des traits angéliques, mais Cléopâtre faisait vraiment attention à son apparence, à commencer par son alimentation. Elle aimait les repas simples, notamment une variété de poissons. Étant donné qu'elle vivait près de la mer Méditerranée, ce n'est vraiment pas une surprise. En guise de friandise, elle raffolait des pigeons farcis, qu'elle servait également à ses invités. D'autres plats au menu comprenaient des légumes et de la soupe de fèves. Les fruits et les noix n'étaient pas en reste dans son alimentation, et elle était également une grande amatrice de miel. Récemment, une équipe d'experts a même essayé de reproduire son célèbre parfum. Voyez cela comme l'équivalent antique du Chanel numéro 5. Cléopâtre était connue pour être une grande amatrice de parfums luxueux, dont elle croyait même qu'il pouvait influer sur la manière dont les gens la percevaient. La base de ce parfum est la myrrhe, une résine récoltée sur un arbre local. D'autres ingrédients ajoutés au mélange étaient également répandus à l'époque, comme la cardamome, l'huile d'olive et la cannelle. Le résultat peut ne pas être aussi fragrant que les parfums que nous connaissons et employons aujourd'hui. Sa consistance était beaucoup plus épaisse, mais le parfum durait beaucoup plus longtemps. Quand elle était à l'apogée de sa gloire, Cléopâtre aurait bien pu être la personne la plus riche au monde. À cette époque, elle régnait sur un territoire qui s'étendait à travers la Méditerranée, de la Libye actuelle à l'ouest, en passant par l'Égypte jusqu'à la Syrie tout à l'est. À l'époque, c'était le plus grand territoire jamais dirigé par une femme. En monnaie d'aujourd'hui, sa fortune aurait donc pu avoisiner les 95 milliards de dollars. Les calendriers que nous utilisons aujourd'hui ont peut-être été introduits par Cléopâtre elle-même. C'est elle qui aurait présenté l'idée des années bissextiles et des jours intercalaires à Jules César, le général romain avec lequel on sait qu'elle était très proche. Suivant ses conseils, César aurait fait de ces ajustements une partie intégrante du calendrier romain. Les anciens Égyptiens savaient déjà que l'année était plus longue que 365 jours exactement. Ils ont découvert cela en étudiant l'étoile la plus brillante dans le ciel, appelée Sirius, et en ont conclu qu'une année durait en réalité 365 jours et un quart. C'est Elizabeth Taylor qui a fameusement introduit Cléopâtre dans l'imagerie populaire, lorsqu'elle l'a interprétée dans le film du même nom en 1963. À ce moment, il s'agissait du film le plus coûteux jamais produit. Il n'était censé coûter qu'environ 2 millions de dollars, mais a fini par engloutir l'incroyable somme de 44 millions. C'était principalement dû à des problèmes de scénario et de production. Pour réaliser ce film emblématique, les producteurs ont dû créer 79 décors de toutes pièces, ainsi que plus de 2 600 costumes pour le reste du casting. Rien que les costumes de Cléopâtre d'Elizabeth Taylor ont coûté environ 2 000 000 $. Heureusement pour les producteurs, le film a fait les gros titres et a été très bien accueilli par la critique, ce qui en fait un succès au box-office. Certains associent Cléopâtre à un autre célèbre souverain d'Égypte, le pharaon Toutankhamon. C'est une erreur. Car hormis le fait qu'ils aient en tous deux été des pharaons égyptiens, ils n'ont rien d'autre en commun. Pour commencer, Toutankhamon a vécu environ 1300 ans avant Cléopâtre. Et il ne partageait même pas la même ascendance. Cléopâtre avait des racines grecques macédoniennes, tandis que Toutankhamon était un Égyptien du pur souche.